Nan objektif pou bay jaret aksel sosyal yo, ou tera klub nan Port-au-Prince inogure yon sal infimri ki gen yon kaban ak yon bifet ki gen la dan divers kalte medikaman pou desevi epi bay soin nesesè ak elev l'ekol institisyon Mit Eden de Pernye ki trouvel nan 7e seksyon rural Petionville. Nan okasyon an, staff ou tera klub yo te fè distribisyon divers kalte materyel eskole bay timoun klas primè yo epi remet yon chèk 310.800 goud pou pe 6 mois frais scolaires pour une centaine de monde qui dans section primaire pour année académique 2016-2017 là président Otara Club Port-au-Prince Ralph Coriolan a expliqué inaugurer infirmerie ça dans l'institution Mitsédène de Pernier pour nous capable permettre que écoliers bénéficient d'un accès gratuit à un minimum de soins de santé. Donc c'est tout un plaisir pour nous-mêmes en tant que jeunesse pour nous investir dans la société, nous, pour nous aider la communauté. Nous sommes intervenus dans le sud, nous sommes intervenus dans le centre déjà. Donc Rotary Club de Port-au-Prince, une association de jeunesse qui là depuis 18 ans, qui travaille pour bien la communauté. Nous. Et ce n'est pas le premier projet que nous faisons et ce n'est pas le dernier non plus projet que nous faisons. Donc c'est toujours un plaisir pour nous-mêmes en tant que jeunesse pour nous porter contribution par nous dans le développement de la société. Par nous. Parce que nous toujours dit ça que le développement durable n'est pas fait sans implication jeunesse. Donc, c'est cet objectif que nous définissons. Donc, jeunesse là pour l'appuyer parce que développement, c'est ça fait jeunesse. Élisée Dornelus, directeur institution MIT Eden de Pernier, à la fois bénéficiaire d'un infirmerie à chèque Silla, exprimer satisfaction là et puis remercier responsable de la club Port-au-Prince pour l'initiative Silla, cap aider élèves liés aux joints de soins santé gratis et parents élèves primaires, cap joignent un soulagement. Pour année scolaire 2016-2017 là. Une initiative comme ça a lié vraiment au côté chaleur, surtout dans l'école d'institution Mitsédène de Pernier, parce que les gens ont déjà environnement, il y a des choses qui sont faites, qui sont faites, et nous avons une possibilité de jouer un infirmier qui est capable d'aider les gens de la classe de kindergarten à la philo. Nous pensons que c'est vraiment intéressant et nous pensons à cœur. Nous disons merci avec les. Club du Rotary de Port-au-Prince et on se remercie avec le Rotary le Mars. Donc ça très 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 important en tant que le directeur fondateur pour nous être capable de bénéficier et type de matériel ça avec une jeunesse. Président Rotary Club Port-au-Prince Ralph Coriolan, de l'autre côté fait qu'on est mission yo comme jeune universitaire payant c'est porter contribution yo dans mesure capable pour aider parents qui en nécessité yo à travers les social yo. Dans ce souci, l'institution Eden de Pernier bénéficie d'un chèque 310.800 goud pour frais scolaires Timoun section primaire pour l'année académique 2016-2017 là, grâce à le Mars Rotary Club. Nous permettons de soulager par ailleurs dans le pays, dans supporter l'écolage et Timoun parce que nous estimons que avec tant de difficultés à côté du pouvoir d'achat diminué, donc parents viennent de moins en moins de difficultés pour payer l'école Timoun. Donc nous-mêmes, en tant que jeunes, l'école que nous avons payée avec appui que nous avons payé dans le frais. Et dans payer les frais de scolarité, les visites de monde section primaire non seulement. Donc c'est dans ce sens que nous payons et de 6 mois à l'école pour 107 monde dans l'institution Mitsédène de Pernier. Il y a divers autres projets qui en perspective dans Djakout Rotary Club Port-au-Prince pour appuyer Axila qui n'a besoin à travers tous 10 départements géographiques paysans qui se rêvent organisation.